Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Mystère de l'UNIL. Je m'appelle Céline et nous sommes ici au département d'écologie et évolution de l'Université de Lausanne. Et ici, il y a plein de chercheurs qui bossent sur des espèces ou des thématiques différentes. Moi, je travaille dans le groupe de Luca Famagali, qui d'ailleurs vous allez voir plus tard. Mais pour l'instant, je vais vous poser d'abord quelques questions. Comment vous feriez-vous pour travailler sur des espèces qui sont tellement dangereuses que c'est impossible d'approcher? Ou bien, comment vous feriez-vous pour étudier des espèces qui sont rares ou bien qui sont protégées? Comment peut-on les attraper? Et bien, dans notre laboratoire, on cherche à répondre à ces questions. Par exemple, quand les animaux laissent des traces dans la nature, ben, nous allons les récupérer et les analyser. Qu'est-ce qu'on analyse dans ces traces? C'est ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, on le trouve dans tous les êtres vivants, que ce soit dans les animaux, les plantes et les champignons. Il est constitué de 4 petites lettres, A, T, C et G, et c'est comment ces lettres sont mises les unes après les autres qui vont déterminer si nous sommes plutôt un chien ou un chat. Mais où on peut trouver l'ADN? Pour répondre à ça, nous allons appeler notre ami Gustave. Mais bonjour Gustave! Si maintenant on prend une loupe et on étudie Gustave de plus près, on peut voir que son corps est constitué par des milliards de petites briques. Ces petites briques, c'est ce qu'on appelle des cellules. Ici, nous avons une cellule en format gigantesque. L'ADN, il se trouvera à l'intérieur du noyau et à l'intérieur des mitochondries. Entrons maintenant à l'intérieur du noyau pour voir comment l'ADN est fait. Voici l'ADN. Nous pouvons voir qu'il est constitué d'une double hélice et puis, comme je vous avais dit avant, il y a les petites lettres A, T, C et G qui se mettent les unes après les autres. Il y a après un A, il y a un C et après un T. Ça peut faire par exemple que j'ai les yeux bruns. Si par exemple c'était A, A, G, T, peut-être ça aurait fait que j'aurais eu les yeux bleus. Et si maintenant on prend tout l'ADN qui est dans le noyau et on le déroule et on le met sur une règle, vous pensez qu'il fait quelle taille? Eh bien en fait, il va faire 2 mètres. C'est juste énorme. Et tout cet ADN, il est enroulé sur lui-même et mis à l'intérieur du noyau. Ça fait un peu comme des pelotes de laine. Et ces pelotes de laine, on en a 46 et c'est ce qu'on appelle les chromosomes. Donc ici, nous avons le chromosome 21 qui correspond par exemple à la pelote 21. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont écrit toutes les petites lettres qui sont à l'intérieur de la pelote de laine et donc du chromosome. On peut ouvrir par exemple et vous voyez ici, à l'intérieur, il n'y a que des ATCG répétés des milliards de fois. On pourra voir, par exemple, que cette personne aura les yeux verts. Et puis, à un autre endroit, on pourra voir que la personne aura des cheveux bruns. Mais revenons un peu sur nos traces que les animaux laissent dans la nature. Grâce à ce type de traces et au fait qu'ils contiennent de l'ADN, on a pu, par exemple, travailler sur du lynx, du loup, de l'ours. Et moi, j'ai pu faire un travail, par exemple, sur les hippopotames, un des animaux les plus féroces d'Afrique. Mais comment les animaux laissent leurs traces dans la nature? Allons suivre Ophélie, un chien husky, qui va nous montrer tout ça. Alors, nous voilà sur le terrain, où ici, on va comprendre où les traces des animaux peuvent être laissées dans la nature. Et on va faire ça avec notre chien husky, Ophélie. Salut Ophélie! Alors on a pu voir Ophélie couler partout dans ces bois. Et puis maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est où elle a pu bien laisser des traces. Et on va aller chercher un peu partout. Et par exemple, oh, ben voilà, ici,
on peut voir par exemple qu'il y a des traces de poils. Donc c'est typiquement ce genre d'indice que par exemple un chien peut laisser dans la nature. Oh, et puis regardez là, c'est magnifique! Il y a une trace de patte. Et ça aussi, c'est typiquement un indice qu'on pourra utiliser. Ah ben voilà, regardez. Ici, on voit aussi un autre type de trace, les crottes. Un autre exemple, ça pourrait être aussi du pipi que les animaux peuvent laisser dans la nature. Salut à tous! Alors moi c'est Julie, je suis doctorante dans le groupe de Luca et moi ce qui m'intéresse c'est la diversité qu'il y a dans l'eau. Donc je vais vous montrer comment on va prendre des échantillons dans l'eau. L'idée c'est qu'on va prendre des échantillons d'eau à l'aide de cet instrument et on doit être bien stérile, donc on porte des gants. Et donc on va prendre les échantillons d'eau en amont de nous pour éviter qu'on contamine avec notre propre ADN. Une fois qu'on a récupéré l'eau et qu'on l'a mis dans ce sachet, la seconde étape, ça va être de la faire passer à travers ce filtre. Et ce filtre, il va permettre de récupérer les cellules qui se traînent dans l'eau. Donc les cellules, par exemple, d'Ophélie qu'on a vu courir avant. Et du coup, pour faire ça, on va utiliser une seringue. Donc voilà, une fois qu'on a fait passer toute l'eau à travers la capsule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la reboucher. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un produit dans le filtre qui va permettre de conserver les cellules et de détacher l'ADN qui va rester coincé dans le filtre. Une fois qu'on a fait ça, on va refermer le filtre. Et là, on va secouer monstre fort pour que tout l'ADN se détache du filtre. Et une fois qu'on a fait ça, la dernière étape, ça va être de verser le liquide qui est contenu dans la capsule dans un nouveau tube, ce qui va nous permettre de pouvoir extraire l'ADN contenu dans l'eau, donc par exemple de l'ADN d'insectes, de poissons, d'oiseaux, de castors, ou encore d'Ophélie, le chien qui est venu avant s'abreuver ici. Donc je vous laisse me suivre au labo pour continuer les analyses. Nous voilà bientôt arrivés au laboratoire. Oh, mais voilà Luca Souter qui travaille aussi avec nous au laboratoire de Luca Fumagalli. Je lui ai demandé s'il est d'accord de m'aider avec les échantillons d'eau. Et ciao Luca. Ciao, ça va? Oui, et toi? Ouais, bien, merci. Je viens d'aller récupérer un échantillon à la rivière. Tu veux venir voir s'il y a du castor dedans? Ouais, à fond, ouais. Allez, go. J'espère vraiment que je vais pouvoir trouver du castor. Hein. Ouais, c'est cool. Ah mince, j'ai oublié mon sandwich. Bon, je suis avec toi. Okay. Ah, flûte. Mais qui m'a mangé mon sandwich? Ah, je sais pas, mais par contre, regarde. Il semble qu'il y a encore des traces. Ah, je pense qu'il faut qu'on appelle le boss. Okay. Tant pis pour les échantillons. Je l'appelle. Ouais, salut, c'est Luca. Écoute, j'ai une enquête pour toi. J'aimerais savoir qui m'a pris mon sandwich. Tu m'envoies, Molly? Salut, moi c'est Molly et je vais m'occuper de cette enquête. Alors, pour commencer, nous allons récupérer les miettes du sandwich pour regarder si on trouve des traces de salive sur les miettes. Et si nous regardons aux alentours, nous pouvons voir ici une grande plume qui a un potentiel suspect et qu'on pourra comparer justement cet ADN qu'on aura retrouvé sur les miettes de notre sandwich. Et si nous continuons à regarder, ici nous pouvons encore voir des petites crottes, sûrement d'un rongeur, mais nous ne savons pas vraiment ce que ça peut être, donc on les prend aussi au laboratoire, comme ça on pourrait savoir exactement qui ça peut être.
Dans une scène de crime, il faut vraiment regarder tous les petits détails qui pourraient être un suspect. Et ici, par exemple, par terre, je ne trouve plus rien. Mais ici, hop, nous avons une petite touffe de poils qui pourrait être encore un suspect. Maintenant que nous avons réussi à récupérer tous les échantillons, il ne nous reste plus qu'à faire un swab à Luca. Maintenant que la scène de crime a été passée au peigne fin, on peut partir au labo. J'ai ramené les échantillons au laboratoire. Maintenant, il ne me manque plus que de faire le swab. Le swab, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un coton-tige qui va nous permettre d'aller récupérer la salive de Luca pour séparer son ADN de l'échantillon de miettes. Salut à toutes et à tous, moi c'est Nadège, j'ai récupéré les échantillons que Molly a prélevés sur le terrain. Maintenant on va pouvoir passer à toute la partie du labo. Alors on a récupéré la miette de pain, on va pouvoir prélever les ADN de salive de la personne qui a mangé et enfin, celui qui a volé le sandwich de Luca, son échantillon de salive à lui. Les échantillons de crottes qu'on a retrouvés sur le terrain, on va pouvoir identifier le propriétaire de ces crottes avec l'ADN qui s'est détaché de ces cellules de l'intestin. Et la plume trouvée sur le terrain. La première étape, c'est d'extraire l'ADN. Donc, on va pouvoir casser toutes les cellules et puis extraire et isoler seulement la partie l'ADN qui nous intéresse. À l'aide de cette machine, on va purifier et nettoyer notre ADN. Et à l'aide de cette autre machine, on va faire des milliers de copies de notre molécule d'ADN. Parce que pour l'instant, notre ADN est si petit que nos machines ne sont pas capables de détecter. Donc c'est comme si on prenait une ou deux pages de ce livre, que je vais à la photocopieuse et que je fais des milliers de photocopies de notre ADN. Maintenant que notre échantillon est suffisamment amplifié grâce à cette machine PCR, on va pouvoir le charger sur un gel d'agarose et on va enfin pouvoir voir cet ADN qu'on parle depuis tout à l'heure. Sur cette photo, on voit les fragments d'ADN des prélèvements. Selon les espèces, les fragments peuvent être de tailles différentes et c'est ce qui va nous aider à identifier les espèces. Donc, dans la deuxième colonne, on voit le prélèvement sur le sandwich, donc sur les miettes. Juste à côté, à droite, c'est le poil qu'on a trouvé sur la scène du crime. Le troisième, c'est les petites crottes qu'on a trouvées sur le banc. Encore à droite, c'est la salive qui est du swab de Luca. Et le dernier, c'est la plume. Dans la colonne du prélèvement du poil, on peut voir qu'on a un fragment qui est de la même taille que dans le prélèvement sur le sandwich. Mais seule une analyse par séquençage pourrait nous donner un résultat sûr. Donc on va aller voir Luca Fumagalli pour la suite de l'analyse. Bonjour, mon nom est Luca Fumagalli, je suis responsable du laboratoire qui effectue les analyses génétiques. Alors, vous avez vu tout à l'heure que Molly a prélevé sur le banc dans la forêt différents échantillons pour être analysés, des poils qui étaient sur le banc, des petites crottes, une plume. Elle a aussi effectué une prise de salive chez Luca pour vérifier qu'on a bien de l'ADN humain. Et puis, elle a utilisé des écouvillons pour essayer de prélever de l'ADN autour des miettes de sandwich pour essayer de trouver le coupable. Alors ensuite, Nadège vous a montré qu'elle a extrait l'ADN à partir de ces échantillons et nous avons obtenu, comme elle vous l'a montré, différents types d'ADN. Chaque espèce a un ADN qui lui est propre. Alors si on séquence une partie de cet ADN, on pourra en fait identifier à quelle espèce appartiennent les échantillons prélevés dans la forêt. Alors nous avons fait tout ceci dans nos laboratoires, nous avons maintenant obtenu les séquences d'ADN. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais comparer la séquence d'ADN de chacun de ces échantillons avec une base de données online qui contient des milliards de séquences d'ADN. Chacune de ces séquences est attribuée à une espèce donnée. Et de cette façon, on pourra éventuellement attribuer notre séquence d'ADN à l'espèce d'où elle est originaire. Alors on va commencer avec la première séquence ici, c'est la séquence des poils qui ont été retrouvés sur le banc. Je vais donc copier cette séquence que nous avons obtenue dans notre laboratoire, donc lors du séquençage d'ADN. Voilà. Et puis je vais la copier dans ce moteur de recherche qui est associé à cette base de données
de séquences ADN. Et puis, on va attendre quelques secondes. Et voilà, la séquence appartient à un chien. Donc, nous savons en fait que l'ADN contenu dans les poils qui étaient sur le banc dans la forêt appartient à un chien. Donc, ce sont des poils de chien. Et nous allons maintenant faire le même exercice avec toutes les séquences d'ADN obtenues à partir des échantillons prélevés dans la forêt pour leur attribuer une espèce donnée et essayer de résoudre notre énigme « Qui c'est qui a mangé le sandwich ?» Voilà, nous avons maintenant tous les résultats pour essayer de résoudre notre énigme de disparition du sandwich. On va comparer les séquences d'ADN provenant des échantillons récoltés sur le banc avec les séquences d'ADN, parce que vous avez vu avec Nadège qu'on a trois types de séquences différentes qui ont été récoltées sur les miettes du sandwich. Alors, la première séquence d'ADN obtenue à partir de la plume, c'est une séquence de corneille. La séquence d'ADN obtenue, comme attendu, à partir de la salive prélevée sur Lucas, c'est bien sûr de l'ADN humain. La séquence d'ADN obtenue à partir des petites crottes retrouvées sur le banc, c'est de l'ADN de souris. Et les poils, en fait, correspondent à de l'ADN de chien. Alors voilà les éléments retrouvés sur le banc. Et puis maintenant, on va voir ce qu'on retrouve sur les miettes du sandwich. Alors, on retrouve de l'ADN humain. Ça, c'est simple à expliquer. Hein. Lucas mange le sandwich et va laisser des traces de sa salive sur le pain, sur les miettes. Et on va retrouver cet ADN humain, pas de problème. On a retrouvé un deuxième type d'ADN sur les miettes du pain. Il s'agit là d'ADN de cochon. Alors, ça peut paraître surprenant, mais c'est facile à expliquer également. J'ai appelé Lucas tout à l'heure et m'a bien confirmé qu'il était en train de manger un sandwich au jambon. Donc, le cochon correspond au jambon. Hein. C'est de l'ADN de cochon. Et puis, on trouve un troisième type. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on trouve de l'ADN de corneille. Alors, vous voyez, maintenant, on a tous les éléments pour pouvoir affirmer avec un certain degré de sûreté que c'est bien une corneille qui a volé, qui a commencé à manger le sandwich et puis qu'il a volé parce qu'on retrouve son ADN sur les miettes. Et voilà, donc on a trouvé la coupable, c'est la corneille, mais on a aussi pu remarquer qu'il ne faut pas trop se fier non plus aux échantillons qu'on voit, donc aux indices visuels. Dans ce cas-là, on avait retrouvé des poils de chien sur le banc. On aurait pu penser qu'un chien avait volé le sandwich, mais vous voyez, on ne retrouve pas d'ADN de chien sur les miettes du sandwich, donc on peut affirmer de façon relativement sûre que c'est bien une corneille qui a volé le sandwich et que ce n'est pas un chien ni une souris qui a mangé ce sandwich. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous a décrit un tout petit peu notre façon de travailler. J'espère que vous avez aussi remarqué quel est l'intérêt d'utiliser ces analyses génétiques, comme elles sont sensibles. Et voilà, restez curieux, lisez, intéressez-vous aux choses, essayez de comprendre le monde qui vous entoure et puis à bientôt à l'Université de Lausanne. Oh, non, j'aime pas, pardon. Donc, je vous laisse me suivre au labo et on va continuer à faire les analyses là-bas. N'importe quoi. Ciao, Lucas. Hey, ciao, Julie, ça va? Oui, toi? Ouais, bien, merci. Est-ce que tu veux venir extraire l'ADN avec moi? Ouais. Poussez-vous, je suis là pour me gérer du reste. Me gérer du reste, rien à voir. Me gérer du reste.